K2. Ce K a été coupé en 3 sous-K. Donc, nous commençons avec le 2-1, bouclement annuel. Il y a une société qui vous soumet un questionnaire. Il y a les espaces vides à remplir, c'est-à-dire vous devez prendre position sur les différents événements. Vous avez la possibilité soit de passer des écritures dans les comptes, soit de mentionner l'événement dans l'annexe, soit de mentionner l'événement dans le rapport de gestion, soit ne rien mentionner du tout. Le chiffre numéro 1, donc le premier cas qui nous est présenté, le premier événement qui nous est présenté, c'est l'augmentation d'une limite de crédit par la banque pour Amberg SA. Et en même temps, vous avez Amberg SA qui met en gage les titres. Donc, il n'y a rien à faire dans la comptabilité, il n'y a rien à mentionner à nulle part. Rien à faire, quoi. Le conseil d'administration qui a effectué une appréciation exhaustive des risques pour le rapport de gestion 2018, vous devez bien évidemment le mentionner dans le rapport de gestion. Vous avez créé des réserves latentes d'une ampleur significative en 2018. Il n'y a rien à faire, sinon les réserves sont ouvertes et plus cachées, respectivement latentes. Après la date du bilan, mais avant l'établissement des comptes annuels, le cours du dollar s'est réduit de près de 25%. La perte comptable est significative. Vous devez au minimum le mentionner dans l'annexe. Vous avez ici une appréciation du risque qui a été effectuée par le conseil d'administration. Il n'est pas exclu que le conseil d'administration demande à ce que ça soit aussi mentionné dans le rapport de gestion. Ceci, une hypothèse. Avant l'établissement des comptes annuels 2018,